Nous sommes aujourd'hui au Qingyanyu Park pour faire un résumé des présentations à l'université de Hebei. Le peintre Alain Delic est un artiste abstrait. Il a présenté ses œuvres puisqu'il était présent lui-même à l'université de Hebei et ses œuvres ont soulevé un véritable enthousiasme auprès des étudiants. Cette présentation a eu lieu dans une université très connue en Chine, c'est l'université du Hebei, notamment plus particulièrement l'université de technologie qui abrite différents départements. En Chine, une université très importante. Alain Delic a été présenté à l'université de Hebei, où il a présenté 30 peintures. Donc sa peinture en lien avec les sciences, en lien avec la technologie. Alain Delic produit une nouvelle esthétique. Il a présenté une interprétation, on peut dire aussi technique, de tout ce qui pouvait être l'énergie, et notamment ses œuvres ont pu être allégoriques de ce qui pouvait être l'énergie, aussi bien au travers de l'énergie électrique, des éclairs, des ondes. En fait, il a souhaité présenter comment on pouvait faire, grâce à l'abstrait, une interprétation de ce qui n'est pas visible. Et les étudiants ont pu remarquer l'intérêt de l'art abstrait et effectivement comment ils pouvaient aussi, à Alain Delic, produire une esthétique plus globale, comment ils pouvaient produire, grâce à cette allégorie, à cette interprétation de l'énergie, cette interprétation par l'art abstrait de formes d'éclairs, de formes de connexion d'ondes ou de connexion d'énergie au sens large du terme, et ceci en différentes couleurs, a été vraiment aussi, on peut dire, pour les étudiants, une révélation et en même temps a montré comment l'art abstrait pouvait aussi avoir une forte utilité, on peut dire aussi, ce qui est très important, une utilité pour donner une image à quelque chose d'invisible. Donc Alain Delic était tout à fait à l'aise dans cette présentation. Il a d'ailleurs obtenu une médaille d'honneur de l'Université de technologie de Hebei et nous en avons tous été très heureux. Et dès lors, c'est pour nous une très grande satisfaction. Alain Delic étant un artiste international déjà très connu, il est très connu en Chine où il a déjà exposé. Il avait fait une exposition déjà en 2014. D'ailleurs, il avait eu un surnom de peintre des étoiles qui évoquait un travail, on peut dire, cosmique et un travail en lien avec une certaine métaphysique qu'il essayait d'interpréter, qu'il essaye de présenter. Et on peut dire que c'est un maître dans l'allégorie de l'expression de l'énergie. Et ici, son talent n'a pas échappé au niveau de l'université de Hebei, une médaille d'honneur de l'université de technologie de Hebei à ce peintre international, ce peintre français, donc ici a présenté un travail de très haut niveau, de très haut niveau international.
Il faut ressentir pour telle couleur mettre. Parce que deux fois une toile que je travaille avec trois couleurs, ces trois couleurs, il faut qu'elles soient bien assises. Et que donne un aspect de toile qui est bien équilibré. C'est ça qu'on parle aussi, la force et l'énergie qu'il a avec la matière. Voilà. Préférence d'une couleur, je n'en ai pas, j'ai jamais eu. Parce que j'ai besoin de toutes les couleurs. Et finalement, c'est ça que la force a dedans. Je ne peux pas simplement une couleur ou préférer une couleur. Pourquoi? Et les autres. Toutes les couleurs sont moi et je les ai besoin vraiment à un moment que je réalise une toile. Et surtout si je travaille avec trois ou quatre couleurs. Vous êtes allé à l'université de l'Ébeille. Oui. Et vous avez rencontré de nombreux étudiants. Oui. On a présenté, vous avez présenté, puisque vous étiez présent, oui, près d'une trentaine de toiles. Dans le même style. C'est ça la force d'un peintre chercheur. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un style parfait à 100%. J'essaie d'aller derrière la vision et chercher l'énergie. Je m'exprime sur l'énergie et force magnétique. Et ça veut dire que ce style, il doit être parfait au point. Et je suis au point parce que je cherche encore. Peut-être je vais changer encore. On change toujours. Mm-hmm. Par quoi? Par la couleur. Mm-hmm. Et par la matière. Peut-être la matière, je vais mettre plus épaisse, moins épaisse, plus sculptée, moins finie pour la remplir cette énergie dans la toile qui pour l'équilibrer. Comme, aucune qui est la même. Ça veut dire le relief n'est pas la même. Et on ne peut pas le faire la même. C'est la matière qui l'empêche de faire. C'est très difficile. C'est que je vais aux difficultés et j'aime les difficultés parce que je cherche. Alain Delic, c'est un artiste européen et international qui est connu en Chine. D'ailleurs, il a été surnommé quand il était venu faire son exposition en 2014, le peintre des étoiles, puisque son travail était très cosmique. Puis en 2015, il a encore présenté aussi ses œuvres en Chine et il est connu en Chine. Mais la Chine, c'est très grand et il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'il soit connu encore plus en Chine. Et donc c'est pour ça qu'il est venu, d'ailleurs, pour participer à ce développement de la connaissance de son travail dans ce grand et beau pays qu'est la Chine. Il a réussi à nous donner une image de l'invisible, c'est-à-dire que l'énergie est quelque chose qui est invisible. Cette énergie, comment la représenter? Et c'est justement ce travail, on peut voir l'énergie, voilà, tout ceci, c'est des formes d'énergie qui se croisent, qui s'entrecroisent, ça peut être l'éclair qu'on voit dans le ciel, ça peut être les étincelles qui sont à l'intérieur, donc, ou autour des astres, mais ça peut être aussi ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, dans le cosmos. Donc c'est ce qui vibre, par exemple ici, c'est la représentation d'un trou noir. Bon, on ne sait pas encore photographier le contenu et l'intérieur d'un trou noir,
On sait que ça existe, on sait qu'il y a des ondes, on sait qu'il y a de l'énergie qui rentre dans les trous noirs, qui disparaît dans les trous noirs, mais comment représenter? Et Alain Delic fait une proposition. Donc il fait cette proposition, mais on s'est vraiment, on s'est pas posé la question non plus de savoir ces éclairs, vraiment, est-ce qu'on peut les capturer? Comment on peut les capturer? Il y en a un qui avait réussi à les capturer, il s'appelait Tesla. Et Alain Delic, lui, les montre ça. Ce sont des peintures avec de l'huile sur de la laque, du papier de soie, froissé, plissé, sculpté. C'est un double support sur toile. 阿拉米尔里克他在中国具有较高的知名度，在欧洲和世界上也是。他的绘，他是一位抽象漫画家，他的绘画主题是能量，他主要是想传递一种不可见的东西，然后通过使星球运转的能量、宇宙间的能量、能量自身以及源于星球本身的状美光辉、太阳的能量。 Nous accueillons donc Alain Delic. Cher maître, bienvenue, merci de votre présence à Pékin. Et donc nous sommes heureux, nous ici, d'avoir la présence en Chine d'un maître de l'art abstrait. Et après un moment qui sortait sur face, ça donne une énergie complète. D'accord. Et ça qui donne une énergie forte. C'est déjà la lumière. Il y a beaucoup de lumière. La lumière qui crée la matière. C'est pas la matière qui crée la lumière, jamais. C'est la lumière qui crée la matière. C'est ça. Très bien. C'est déjà une deuxième passe de la matière. Oh, chose que je viens de dire. Dans travers les couleurs, l'énergie. Donc en fait, on a une énergie de différentes intensités. Oui, différentes intensités dans les œuvres. Il y a des niveaux. Des niveaux différents d'énergie. C'est ce que je ressens. Parce que je travaille en Australie avec quelqu'un qui était dans la recherche, dans la science. Pour en revenir à l'analyse technique, oui. On peut oui. dire, de ce, ceci donc présente les liaisons, les différentes liaisons, les connexions. C'est bien ici. Oui. Hein? Ce sont les connexions donc d'ondes. Ou est uniquement physique. Et oui, c'est là, oui, c'est même, ça c'est comme un croquis, hein, et la force qui arrive, il est dispersé, bon, ça donne des couleurs magnifiques, seulement il faut les sentir et les capter. Bon, je les capte les couleurs, je dis ça, en travers les couleurs, l'énergie. Les couleurs, et la peinture, c'est une énergie. Félicitations. Thank you.
C'est un musée génial, quelque chose hein, vraiment, hein, je suis vaste et grand, c'est un grand pays, je pense que c'est normal d'avoir un grand musée. J'étais très heureux et très ému d'avoir des choses dedans qui se trouvent, c'est vraiment, c'est un musée qui est très grand, vaste. Beau, magnifique. Je suis surpris un peu l'intérieur. Il y a des choses qui sont vraiment l'histoire dans la recherche technologique, c'est vraiment de la science qui va ensemble. Et que tout à fait que je veux que ma peinture et les couleurs, la peinture que je voulais transmettre aux jeunes, c'est les couleurs qui fait l'énergie. En Chine, vous êtes déjà connu, vous avez fait des expositions et des présentations de vos œuvres depuis déjà 2014, notamment à l'Académie des Arts des Beaux-Arts de Tianjin. Vous avez obtenu le trophée étoilé des Arts de Chine en 2015 à Pékin et vous êtes venu cette année présenter vos peintures à l'Université technologique de l'Ebei qui vous a remis sa médaille d'honneur tout récemment. En quoi consiste votre recherche en peinture ? Un peintre, c'est un chercheur. C'est ça l'abstraction. C'est au-delà, on arrive toujours. Plutôt, tout est dans l'art. Et là, la science, elle devient même dans la technologie, l'art et la science, qui vont ensemble. Et tout à fait, c'est un creusement complètement à 100%. Et c'est défini, là on peut parler plus loin, peut-être, on va aller encore plus loin, mais il faut chercher. Et je suis un peintre chercheur. Pour changer le langage dans tout, dans la matière et dans la couleur, je crois, oui, les couleurs, c'est l'énergie qui va avec la science, qui va avec la technologie, tout à fait. Et je peins ce que je ressens, je peins pas ce que je vois autour de moi, comme ce paysage qui est là, il est magnifique, je cherche d'autres choses. Et je suis un peintre chercheur, je crois que je continue jusqu'au bout.